qui est plutôt appréciable, hein, je trouve, hein, en ville en tout cas, pour les aspects pratiques, c'est quand même beaucoup beaucoup plus vivable au quotidien. Je la sens pas se désunir, je la sens vraiment très ferme dans la façon comme elle entre en trajectoire. Allez, vous l'avez entendu, maintenant on va voir ce qu'il donne ce petit 4 cylindres en ligne suralimenté de 200 chevaux. Oh là 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 là. Alors, il y a un vrai visage on-off. Ben, c'est prodigieux, la châssis. Ah ouais, ouais, d'accord, d'accord. Est-ce que la catégorie des sports GT extrêmes est voué à l'extinction? Vous savez très bien de quel genre de machine je parle. Ces espèces d'énormes missiles sol-sol avec des moteurs gigantesques, des performances la plupart du temps ahurissantes et l'agilité de machines assez éloignées d'Hypersport 1000. Hayabusa, ZZR1400, K1300S, autant de motos qui nous ont fait rêver et pour lesquelles on aurait légitimement pu se demander si elles avaient encore un futur. Ces dernières années, en effet, ces motos avaient tendance à disparaître face à la répression routière, face aux normes de pollution, mais depuis quelques années, il y a certains constructeurs qui ont décidé de ressusciter ces légendes. Suzuki avec la Hayabusa de 3ème génération et Kawasaki qui a décidé de donner une petite sœur à la ZZR1400 avec cette moto. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai d'une moto extrêmement intéressante et très particulière. Nous avons aujourd'hui devant nous la Kawasaki H2 SX SE 2024. Oui, le SE et le 2024 sont importants et vous comprendrez pourquoi. Et cette moto est très intéressante. Bon, déjà à cause de ses performances qui sont ahurissantes, mais aussi par pas mal de petites choses qui la caractérisent. Et bah, je vais commencer par enlever la clé qui était sur la selle, comme d'habitude, j'oublie toujours mes clés. Et qui c'est qui nous a prêté cette moto? Hein? Eh ben c'est Kawasaki France, figurez-vous. Donc on va les remercier de nous avoir fait l'amitié, eh bien de nous prêter ce petit missile pendant quelques jours. Hein. Un grand 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 merci à eux. N'hésitez pas à aller sur le site de Kawasaki, vous y trouverez eh bien déjà le point de vente le plus proche de chez vous. Et la gamme chez Kawa est monstrueusement large, il y a tout. De la sportive, du roadster, du trail, du custom. Il y a même la meilleure moto au monde avec la ZH2 SE. Est-ce que je suis objectif? Non. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à fiche? Non plus. Voilà, hein, ça c'est quelque chose de très important. Et je vous le rappelle, si vous souhaitez acheter une moto chez Espace Murite, avec ou sans accessoires, hein, Kawasaki hein, par exemple, et bien grâce au code ROADSTERSTV, vous aurez jusqu'à 2000€ d'avantage client. Ça c'est Bibi qui vous l'a négocié. Ça soutient concrètement ma chaîne, donc ça c'est très très bien aussi. Et si on s'organise à l'avance, je pourrais même venir vous remettre en main propre les clés de la moto, si ça c'est pas cool quand même. Donc n'hésitez pas, hein, allez les voir, ils sont très cool. La petite H2 SX. Alors, cette moto, elle est apparue dans la foulée, on va dire, dans les pas de la H2R. Hein, une fois que Kawasaki, ils ont décidé de casser toutes les normes du monde de la moto en faisant eh bien, la machine de série la plus puissante jamais construite, et ben, ils ont commencé à décliner ça à plusieurs sauces. Une version Road Legal avec la H2, le Roadster, la ZH2. Et puis, ils ont voulu faire une Sportivo GT un petit peu survitaminée avec cette moto dont on est à la 2ème évolution. Hein, là, il va y avoir quelques petits trucs qui vont la différencier de la toute première H2 SX qu'on va voir ensemble et je vous propose sans plus tarder qu'on commence par parler du look. Alors déjà en ce qui concerne le look de cette machine, je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de mal au début avec la H2 SX parce que je préférais l'apparence de la ZZR 1400, ce qui est toujours le cas. Hein. J'ai toujours encore une préférence pour l'ancienne Sportivo GT, je lui trouve un aspect plus dominateur, plus prédateur que cette moto là, mais quand même, il faut pas déconner, cette peinture est magnifique, hein. Ce vert un peu profond avec du noir, quelques petites touches de blanc à droite à gauche, c'est magnifique. Les rétroviseurs, ils sont dans un espèce d'alu brossé brut qui est vraiment très qualitatif. C'est très très joli. La selle est bien finie, c'est du beau cuir. Franchement, il y a des belles choses. Il y a un magnifique monobras. Alors par contre, je suis vraiment déçu qu'il soit caché par un énorme échappement. Ça, les échappements, malheureusement, Kawasaki, ils ont jamais su faire quelque chose de joli d'origine. Hein. C'est dommage parce que franchement, c'est vraiment un élément qui gâche un peu le truc. Et toujours ce petit emblème, hein, le River Mark, qui est le symbole de Kawasaki Heavy Industries, puisque je vous le rappelle, Kawa, c'est pas juste une marque qui fait des motos, c'est un énorme conglomérat qui a un pied partout, dans l'aéronautique, dans la marine, etc. Et donc, cette moto, elle décline un petit peu de tout ce savoir-faire. Donc, dites-moi un petit peu dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt team ZZR ou team H2, et voire même team Hayabusa. Bon, là, je vais pas me prononcer parce que vous savez ma préférence, mais je trouve quand même que une fois qu'on s'y est habitué, elle a une gueule un peu futuriste, elle a un côté un petit peu agressif, un peu moins que sa grande sœur, mais bon, ça passe quand même très très bien. Aspect pratique, parce qu'il y a des trucs
truc à évoquer quand même sur ce sujet-là concernant cette moto, même si a priori on a l'impression que c'est juste un énorme missile sol-sol, mais vous allez le voir, on va commencer par la position de conduite, parce que déjà là, il y a des trucs qui sont assez intéressants. D'abord, en termes de position pure, la H2 SX est bien moins radicale que la ZZR 1400. J'ai eu celle d'Antoine il y a encore 2-3 jours hein, avant de faire l'essai, on a fait le comparo et effectivement, sur l'ancienne Sport GT de chez Kawa, on était vraiment plus bas, hein. Il y avait un côté plus sportif. Là, c'est nettement plus tolérable. Certains se plaindront peut-être d'un côté un peu moins radical. Moi, je trouve que c'est très très bien parce que ça permet vraiment d'avoir une machine qui est à mi-chemin entre deux mondes et je trouve ça chouette. Et en termes de genoux, c'est relativement remonté quand même. Hein. Je vais pas vous mentir en vous disant que c'est hyper relax, mais ce qui permettra quand même d'avoir un peu de garde-sol, ce qui est quand même un des objectifs de cette machine-là. On va pas déconner, ça reste quand même fait pour envoyer un petit peu. En termes de hauteur, on est à 835 mm, mais alors, c'est bizarre. Soit ils ont mis une selle rabaissée Kawa, soit il y a une magie là-dedans parce que mes jambes sont vachement à plat. Hein. Franchement, j'ai un peu de pliure ici au niveau du genou, donc ça gênera pas trop trop. Bon, c'est un petit peu peut-être plus juste pour certains pilotes, mais si vous faites plus d'1m75, ça devrait le faire. Et en termes de selle, la position est hyper agréable. Hein. Vraiment, c'est la selle est moelleuse. Vous en ferez pas non plus 400 km d'une traite comme ça parce que je sens qu'il y a des limites, mais sur des trajets quand même déjà assez poussés, ce sera agréable. Protection au vent, on verra en roulant, mais à mon avis, elle va pas être très élevée, à moins que vous mettiez vraiment en limande comme ça. Mais sinon, voilà, c'est une position sport GT, un peu plus GT que sport, et en ça, on va pas s'en plaindre, c'est ce pourquoi elle est faite. Moi, je trouve qu'on est déjà sur quelque chose de pas mal. On a des petites choses intéressantes comme un petit et bien prise allume-cigare, hein. Donc là, ça, c'est très très chouette pour pouvoir y connecter un petit chargeur USB quand on roule avec son téléphone. On a une capacité de réservoir de 19 litres, conso estimé entre 7 à 8 litres, un moteur compressé, c'est des choses qui sont un petit peu gourmandes, donc vous allez être dans les... Allez, je vais dire 260-270 km d'autonomie, ce qui n'est pas non plus gigantesque. Hein, il y en a qui font plus. Mais le problème du moteur compressé, c'est qu'il offre des avantages, mais aussi une consommation un poil plus élevée que d'autres machines. Et on a également ici, eh bien, des petits supports pour des valises latérales. Alors, d'un côté, je trouve ça très bien, parce que comme ça, vous avez vos valises, vous les mettez direct. D'un autre côté, je trouve ça dommage que ça ne puisse pas s'enlever quand on ne veut pas du tout avoir ça, parce que ça donne à la moto un côté un peu trop, à mon sens, utilitaire. J'aurais bien aimé qu'on puisse vraiment s'en débarrasser pour avoir une coque vraiment plus effilée et plus dégagée. Là, j'avoue que d'avoir tout le temps ça en permanence, moi, ça me gêne un petit peu. C'est un truc qui me dérange. Bon, écoutez, j'ai fait le tour des aspects pratiques. Ce que je vous propose, c'est qu'on monte sur la machine et qu'on aille voir en ville comment elle se débrouille. Est-ce que ça va être un petit vélo ou est-ce qu'on va un peu étouffer? Let's go! Allez, on est lancé pour évoquer un petit peu les aspects pratiques de cette grosse H2 SX SE 2024, les amis, comme eh bien, il est de coutume hein, dans nos essais vidéo. Donc, bah écoutez, première chose, hein, position de conduite exactement dans la veine de ce que je vous ai dit sur la partie statique, c'est-à-dire que vraiment, c'est une position vraiment moins agressive que eh bien, la ZZR 1400. Hein, on est quand même un peu plus proche d'une RS 660 à ce niveau-là. Hein, c'est moins radical, ce qui est plutôt appréciable, hein, je trouve, hein, pour, en ville en tout cas, pour les aspects pratiques. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus vivable au quotidien. La machine se laisse bien emmener, bien vivre, malgré un poids assez élevé. On en parlera dans la partie cycle, mais on est à 267 kg quand même sur la balance, ce qui n'est pas rien. Eh bien, c'est une moto avec un centre de gravité qui est très très bien réfléchi, très bien étudié et tout se fait de façon on va dire assez smooth hein, dans l'ensemble, donc je suis très content pour le moment eh bien, de la maniabilité globale. Les leviers sont très agréables à utiliser, ils sont un petit peu fermes sur le passage de vitesse mais rien de rédhibitoire, hein, c'est un tout petit peu marqué on va dire. Les rétroviseurs sont très bien, d'ailleurs je vais en profiter pour les ajuster un tout petit peu parce que là c'est pas parfait, mais par contre ils sont parfaits en termes de visibilité, hein. Ils sont extrêmement réglables et ils ne vibrent pas. Oh, qu'est-ce que ça ne vibre pas, c'est incroyable. Ça ne tremble pas d'un sou, hein. Ça par contre, c'est impressionnant. Attends, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je vous ai montré dans le look, c'est du métal brut, donc vraiment c'est très 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 solide, donc c'est pour ça que ça ne vibre pas à mon avis. Et la machine, pour l'instant, fait une très très belle office en ce qui concerne eh bien, l'utilisabilité comme ça. L'écran fantastique, hein, on en parlera bien évidemment dans la partie techno, mais qu'est-ce qu'il est beau cet écran, hein, magnifique, très lisible, très clair, très agréable à utiliser. Les boutons en termes eh bien, de Komodo, c'est assez chargé, mais sans être, on se fait pas déborder, c'est pas non plus du BMW où vraiment il y en a encore peut-être deux fois plus. Non, là ça reste tout à fait utile.
utilisable. Par contre, effectivement, j'avoue qu'il y a certains boutons qu'il faut apprendre à maîtriser, hein, notamment pour passer les modes et tout. En fait, il faut maintenir le bouton de la flèche haute pendant un certain temps et relâcher l'accélérateur. C'est un peu le problème chez Kawasaki, c'est qu'en fait, je trouve que leurs interfaces ne sont pas très ergonomiques, la façon d'utiliser les boutons n'est pas très ergonomique. Après, on s'y retrouve. Le bouton warning, il est bien placé, hein, il est juste là, il n'est pas du côté droit. Il faut juste se décaler un petit peu pour aller le chercher. Et après, le régulateur de vitesse et tout, ça passe bien. Petite mention, parce que là, il y a les poignées chauffantes et je ne pense pas qu'elles soient installées d'office. Elles ne sont pas contrôlables par les Komodo, hein, comme ça peut être le cas sur une Super Duke 1290. Mais par contre, ils sont bien intégrés. Le bouton est bien intégré, ça fait pas tâche, quoi. On se trouve vraiment que c'est partie intégrante de la machine. Donc ça, c'est plutôt bien. Je reprends le petit chemin, hein, vous connaissez là le petit chemin. Je relève un tout petit peu malgré le froid, parce que j'ai toujours pas réparer mon pinlock. Et on repasse par le petit chemin où j'étais allé avec la Super Duke RR. Je trouve ça assez bucolique, assez charmant. Hein. On est vraiment au cœur de l'hiver là. Et la caméra, la Insta360, je l'ai mise sur les rétroviseurs parce que j'avais pas d'autre endroit. J'espère que la pince va pas lâcher pendant qu'on roule. Bon, normalement, c'est des trucs qui s'accrochent quand même assez sévèrement. Mais dites-moi hein, si la vue est plus sympa comme ça. Là, je la trouve pas gênante hein, parce que vous voyez bien ce qui se passe. Elle est sur le côté et je trouve qu'elle permet quand même d'avoir une bonne vue par rapport à la Super Duke RR où elle était un peu plus basse à mon sens. Là, je trouve que c'est vraiment un bon compromis et j'ai racheté des accessoires pour pouvoir en fait ajuster un peu la hauteur dépendant des modèles de moto que j'essaye. Donc normalement, on devrait être bien à ce niveau-là. Concernant la chauffe du moteur, j'en ai un tout petit peu ressenti, mais pas non plus de façon extrêmement intense. Après, encore une fois, hein, on est en janvier, il fait 1 degré, donc c'est très difficile de véritablement sentir l'inconvénient de la chaleur d'un moteur par rapport à des températures estivales en plein été dans la ville, etc. Ne vous fiez pas à 100% à mon opinion là-dessus. Hein, si vous achetez une machine comme ça et que vous voulez vraiment voir cet aspect là, surtout en été, tester bien pour voir si ça le fait ou pas. Je commence déjà à avoir une petite réactivité. J'ai une petite complainte à faire sur cette moto concernant le moteur. Par contre, à basse vitesse, à très bas régime, l'injection a tendance à être un petit peu nerveuse, un petit peu violente. C'est pas parfaitement maîtrisé. J'avais essayé de voir si c'était lié au mode sport et non, même en road ou en rain ou quoi que ce soit, ça le fait aussi. Donc dès qu'on est un petit peu plus franc sur l'accélérateur, ça ne le fait plus du tout. Mais si on essaye de contrôler très lentement l'injection, eh ben on a des petits à-coups qui peuvent être un petit peu désagréables. Voilà, il faut le savoir. C'est quelque chose à savoir. Et ce qui est très chouette aussi avec cette caméra Insta360, c'est que quand j'ai le soleil en plein dans les yeux, je peux changer la vue. Et eh bien vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est plutôt assez pratique. Conduite passager, très très bien, hein, puisqu'on a une belle selle bien large. Hein. J'ai pas emmené Mathilde avec moi encore. Mais je me fais aucun souci quant au fait que la machine va être assez spectaculaire là-dessus. Pas non plus une moto faite pour faire des voyages entiers de 500 bornes tout le temps. Mais vous pourrez quand même faire de belles étapes avec cette moto, avec quelqu'un derrière vous, sans le moindre souci. Ça, je m'inquiète pas du tout. Écoutez, le bilan en ville de cette moto est très très bon. Elle est un peu large, elle est un peu grosse, même si niveau largeur, vu que c'est une Sport GT, on a des rétroviseurs qui sont un peu ramassés, c'est pas non plus très très gênant par rapport à un trail par exemple. Hein, une 1300 GS ou une Multistrada sera plus difficile à faufiler entre les voitures que cette moto. Et pour tout le reste, elle fait un excellent boulot. Elle est légère à l'usage, pas légère en vrai, mais légère à l'usage. Elle se manipule bien, la position n'est pas trop contraignante. On est bien installé, ça chauffe pas trop. Conduite passager, c'est très bien. Franchement, rien à dire. Et maintenant, on va essayer de se concentrer sur des choses un petit peu plus énervées, on va dire. Bon, on a pu voir qu'en termes d'aspect pratique, cette machine se débrouille quand même sacrément bien, en tout cas bien mieux que la ZZR 1400, ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus joyeux, d'un petit peu plus pétillant, si vous voyez ce que je veux dire. Mais avant toute chose, je ne l'ai pas fait au début de la vidéo parce que comme ça, je vous noyais pas d'informations avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais vraiment vous demander de vous abonner à cette chaîne, c'est très important, vous le savez. Me laisser un petit like, ça stimule un petit peu l'algorithme YouTube pour développer la chaîne. Un commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce genre de machine, je suis très preneur. Et le statut Roadstars, vous le savez, ça me soutient énormément, ça vous donne accès à des avantages exclusifs comme par exemple pouvoir regarder cette vidéo en avant-première. Et j'en ai lancé un nouveau juste il y a quelques jours qui s'appelle le Roadstars ZH2. Si vous me connaissez, vous savez qu'il a une certaine importance et ce sera normalement le dernier, il n'y en aura plus d'autres après. Et là, la particularité de ce statut, c'est que vous aurez des vidéos dédiées pour vous. Alors, je les vois arriver, hein, ceux qui vont me dire, oui, ça y est, mais c'est contenu derrière un mur payant. Non, je n'enlève pas les vidéos standards
part aux abonnés normaux, hein, il n'y a aucun problème. Ce sont des vidéos en plus que je vais faire qui vont être beaucoup moins travaillées qu'un essai. Hein. Ça va être vraiment des tournages où je vais prendre la moto et aller rouler, vous livrer un peu mes impressions, mes premiers tours de roue avec une nouvelle moto. Je l'ai fait par exemple avec celle-là. C'est vraiment pas aussi travaillé, aussi complet qu'un essai. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas mettre ça à tout le monde, parce qu'il faut vraiment que ce soit plus pour les gens qui veulent me soutenir et qui veulent un côté peut-être un petit peu plus proche. Voilà, il est là, il est disponible. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Maintenant, parlons de ce bâton de dynamite qui est à l'intérieur de cette moto, qui est le moteur de la H2 SXSE, qui est donc un 4 cylindres en ligne compressé. Il est dérivé de la Ninja H2R, hein, donc il est doté d'un compresseur qui va surgaver d'air la moto et lui donner non pas nécessairement plus de puissance à cylindre égal, hein, des moteurs de 200 chevaux à 1000 cm3, il y en existe beaucoup, mais ça va lui donner surtout beaucoup plus de couple. On est ici à 137 Nm, ce qui fait quand même une sacrée différence avec des 4 cylindres en ligne 1000 standard, hein. Vous pouvez regarder n'importe quel R1, GSX, R1000 et compagnie, on n'est pas du tout à ces valeurs-là. Et de façon assez drôle, c'est des valeurs qui sont les mêmes que celles de la ZH2. 200 chevaux, ici on a 210 parce qu'il y a le ramer, hein, la techno d'air forcé de Kawasaki, mais 200 chevaux, 137 Nm atteint au même nombre de tours minutes. La seule différence que j'ai vue, c'est une démultiplication un tout petit peu plus longue. Pour la H2 SX, hein, on est à 48 dents contre 46, je crois, sur la couronne, quelque chose comme ça. Donc ça devrait lui donner un tout petit peu moins de pêche à bas régime, mais quand même un moteur qui devrait bien se comporter avec ce fameux... le petit, bon je sais pas le faire, petit sifflement du compresseur qui devrait être très très chouette. Ça se vit, ça s'essaye, ça ne se discute pas 150 ans, on monte dessus, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre ce moteur. Allez les amis, on a vu un petit peu ce que donnaient les aspects pratiques de cette H2 SX qui sont quand même plutôt chouettes, je dois bien l'avouer, hein, comparé à sa grande sœur, la ZZR 1400. Maintenant, eh bien, on va se concentrer sur ce moteur, ce 4 cylindres en ligne compressé. Donc comme d'habitude, c'est la tradition, je vais vous l'allumer à froid, parce que là vraiment, elle n'a pas tourné encore. Hein. Je fais ça bien évidemment avant les aspects pratiques. Et on y va. Petit réveil, très doux, on sent quand même qu'il y a une petite hargne, mais... ceci est bien évidemment très étouffé par eh bien, ce silencieux d'origine. Hein. Vous savez que maintenant les normes de pollution et sonore sont assez restrictives. D'ailleurs, vous le voyez, hein, il y a écrit 94 décibels à 5500 tours minute, ce qui veut dire que cette moto ne fait pas non plus un bruit d'enfer. Tournons quand même rapidement la poignée et gentiment, parce qu'elle est froide quand même. On sent quand même qu'il y a un petit quelque chose. Écoutez, ne faisons pas tarder cette diva, hein. Montons dessus et allons voir un petit peu ce que donne ce petit cœur suralimenté. Allez, vous l'avez entendu, maintenant on va voir ce qu'il donne ce petit 4 cylindres en ligne suralimenté de 200 chevaux. Oh là 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 là. Alors, il y a un vrai visage on-off, il y a un vrai visage on-off en fait, en dessous de 5000-6000. C'est vraiment, vraiment moins énervé qu'une ZZR 1400. Rien à dire, ça, bon, vous vous y attendiez, hein, c'est un moteur qui a beaucoup moins de cylindrée, et forcément, les chiffres le montrent, mais même par rapport à la ZH2, je trouve que, malgré des chiffres qui sont assez similaires en termes de couple et de régime, je trouve que c'est moins énervé que la ZH2, c'est peut-être qu'une impression, parce qu'il fait froid, donc j'essaie de faire aussi attention avec le tournage de poignet. Non, c'est moins énervé, c'est moins énervé. Je m'en remets à 4000. C'est moins énervé que la ZH2 à plus bas régime, on va dire. Par contre, dès que vous atteignez la zone des 5500, 6000, là par contre, ça commence à devenir quelque chose d'assez prodigieux. Là, je suis à 6. Oh. Ah ouais, d'accord. J'évite quand même de faire trop le fou, parce que c'est quand même un truc assez énervé et il fait 2 degrés sur le tableau de bord comme vous avez vu. Hein. L'objectif c'est pas non plus de me foutre en l'air avec une moto de Kawasaki France m'a prêté. Mais c'est ouais, il y a vraiment une élasticité du moteur qui permet du coup d'avoir quelque chose d'assez finalement peu effrayant à bas régime. Hein. La moto ne fait pas peur à bas régime, mais par contre dès qu'on vient eh bien, lui chercher des noises au bout de 6000 tours minute, ça se réveille et là par contre c'est tout de suite bien plus démonstratif. On sent vraiment que la cavalerie des balles déboule plutôt. Je maintiens ma préférence pour le moteur de la ZZR. Ça là-dessus par contre, désolé messieurs de chez Kawasaki, vous n'avez pas forcément eu le choix face aux normes de pollution etc. Mais ouais. Et là, là ça devient véritablement extrêmement saisissant. Le quick shifter marche plutôt bien, je trouve, même si
c'est pas un exemple de fluidité, de délicatesse. En shift down, ça va un peu mieux que vers le haut. C'est vraiment quelque chose, on s'en rend compte. Là, si je passe la vitesse vers le haut, c'est un peu plus difficile à passer, un peu plus rêche, un peu plus... C'est rien de violent, hein. C'est pas comme BMW. BMW, ça va vraiment être encore un cran au-dessus en termes de résistance. Mais ce moteur est cool, mais il lui manque un petit quelque chose selon moi. Un peu plus de folie à bas régime. Il est extrêmement enthousiasmant dès lors que vous vous mettez à vraiment, vraiment tourner la poignée et que vous vous faites plaisir. Mais là, vous voyez, on est à 4000. C'est pas instantané, c'est pas propulsion, quoi. On sent bien qu'on fait 1000 cm3. Voilà. Et là... Et ouais, à 7000, elle bascule dans l'autre dimension. On sent une espèce de propulsion supplémentaire. Boum! Et là, le compresseur se réveille. Et là, vraiment, vraiment, on sent que la moto s'énerve pour de bon et qu'on passe sur du très, très, très sérieux. Donc voilà, c'est un moteur à deux facettes. Il est extrêmement plaisant. Attention, on a quand même 200 chevaux, on a 137 Nm de couple, mais avec un petit mode d'emploi, ce qui n'est pas forcément désagréable. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça et je peux tout à fait le comprendre, mais gardez-le en tête. C'est une moto à mode d'emploi dont le moteur n'est pas plein à tous les étages, tout du moins pas plein de la façon comme on pourrait s'attendre d'une moto aussi impressionnante en termes de puissance. Après, par contre, effectivement, dès lors que vous allez chercher les tours, là, ça devient excessivement énervé. Aucun problème là-dessus. Comme je l'avais prévu, je le refais. Comme je l'avais prédit, ce moteur, il est extrêmement chouette, il s'exprime très bien dès qu'on arrive à 5-6 000 tours minute. En dessous, il est quand même nettement, mais nettement moins réactif que celui de la ZZR 1400 et par extension de concurrente actuelle comme la Yabusa. C'est une philosophie, c'est pas moins bien, à vous de voir ce que vous préférez. Toujours est-il que dès qu'on arrive à 5-6 000 tours minute, ça se réveille vraiment très violent et là, c'est très très chouette. Ensuite, on va parler de la partie cycle sur cette moto. Donc on a un châssis très YouTube qui est un petit peu ce qu'on retrouve sur la H2R. C'est un petit peu nécessaire ça pour refroidir le compresseur, hein. C'est une solution qu'ils ont utilisée chez Kawasaki parce qu'un compresseur doit rester à une certaine température. D'ailleurs, sur celle-ci, ce n'est pas le cas, mais sur les autres motos de la gamme, vous pouvez avoir la température du compresseur en temps réel. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est important. Et ça donne normalement une très bonne agilité et une bonne dynamique à la moto. Cette bécane pèse lourd, hein. Attention, hein, c'est un petit tank quand même, on est à 267 kg. Alors de façon assez drôle, elle ne pesait pas ce poids-là dans les anciennes versions de la H2SX, hein, elle était à 260 kg. Là, à mon avis, avec les normes Euro 5 Plus et tout, notamment au niveau des échappements, elle a dû gagner un petit peu de poids, mais elle reste toujours 1 kg plus légère que la ZZR 1400 en son temps. Moto qui, je vous le rappelle, avait quand même beaucoup moins de contraintes en termes de normes de pollution, justement, et elle maintient ce poids en dessous alors qu'elle est dotée d'un moteur compressé qui sont connus pour être des moteurs très lourds parce qu'il faut des alliages très résistants pour encaisser le compresseur. Donc, c'est un point plutôt bon à signaler. Je ne m'attends pas à la agilité d'une Panigale sur cette moto, mais on pourrait avoir des belles surprises. La Yabusa avait été extrêmement plaisante à ce niveau. Pas de raison que la H2SX ne le soit pas. Nous verrons bien. Petite spécificité concernant la SE, hein, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de toutes les caractéristiques, mais qu'est-ce qui fait la différence entre une SE et une standard? Eh bien, la première, c'est l'ajout de suspension semi-active, hein, avec le système Skyhook, qui va permettre, comme vous le savez, hein, sur des suspensions de ce type-là, d'ajuster le comportement en fonction de la route, de l'accélération, etc. Et vous avez même des pré-réglages que vous pouvez faire directement sur le tableau de bord pour dire si vous êtes tout seul ou accompagné avec des bagages ou pas. Ça permet de durcir ou de raffermir un petit peu la suspension selon vos besoins. Je trouve ça très très chouette et normalement le système marche très bien. Si c'est le même que la ZH2 SE, c'est excellent. Et au niveau du freinage, eh bien pareil, spécifique à la SE, on a des étriers Brembo Stilema. Alors là par contre, ça c'est un carton rouge pour Kawasaki parce que ça veut dire que la H2SX standard n'est pas en Stilema. Et ça pour le coup, je suis désolé, une Sport GT de 200 chevaux qui n'est pas équipé de ça aujourd'hui en 2024, c'est non. Donc c'est très bien pour cette moto là, moins pour la version standard qui pique quand même en termes de prix, on va pas se le cacher. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, l'amortisseur arrière aussi, hein, il est réglable en tous sens et il est piloté. On va prendre la moto et on va voir un petit peu comment ça se comporte en espérant que la température soit suffisamment clémente pour que je puisse un petit peu incliner avec la machine. On verra bien. Allez, on se retrouve un petit peu pour discuter de la partie cycle de cette moto qui est quand même assez impressionnante sur le papier en tout cas. On a des beaux éléments, un châssis tri-tubulaire issu finalement de la H2R, hein. C'est un peu la même technologie. Encore une fois les amis, hein, je ne vais pas pouvoir incliner à fond, il fait 2 degrés, 1 degré même, dans des zones ombragées, etc. Donc je ne suis pas fou,
Je regarde juste un peu le comportement de la moto qui est très sain. Je la sens pas se désunir, je la sens vraiment très ferme dans la façon comme elle entre en trajectoire. Elle ne prend pas du jeu hein, vers l'extérieur ou quoi que ce soit, même si je suis pas à des vitesses qui permettraient de forcément se faire ce genre d'idée. Au niveau de l'amortissement, c'est très très bien. C'est très très bien. Cette suspension pilotée Skyhook fait un excellent travail. Je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose d'un excellent compromis. En fait, ça marche juste très très bien. C'est pas ferme du tout, mais en même temps, on sent une précision, on sent une rigidité, une fermeté qui est très appréciable. On regardera un petit peu plus loin dans les tournants comment elle se comporte sur des choses un petit peu plus serrées. Hein. Mais ça marche très très bien. J'ai personne derrière moi, juste regarder un petit peu les... Stylema. Ouais, ça freine toujours aussi bien. Du Stylema, ça freine toujours aussi bien. Ça, il n'y a aucun souci. Hein. Stylema, c'est comme ça. Ouais, ouais, très très bien. Là, vous voyez le break qui est à fond. Qui est à fond du fond du fond. Au fond du fun. Mais ouais, ouais, le freinage est instantané, dosable, puissant, précis, progressif. Enfin, vraiment, c'est très 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 bien. Juste, puisqu'on viendra à parler de la Yabusa dans la partie concurrence, je regrette que le freinage ne soit pas couplé parce qu'on sent vraiment un transfert de masse quand vous freinez. Vous sentez que la moto enterre son nez vers l'avant, alors qu'avec la Yabusa, on a beaucoup plus cette sensation que la moto en fait elle freine d'un tenant et qu'en fait elle reste toujours droite dans toutes les phases de pilotage, ce qui est un plus on va dire au niveau de la stabilité, mais ça reste quand même hyper hyper agréable, ça il n'y a rien à dire. Vous voyez, on va avoir un petit dodan. Et ce dodan, il nous dit quoi? On le ressent, mais comme le voudrait une moto un peu sportive, mais pas du tout désagréable. On sent qu'il est là, ce dodan, mais on le souffre pas, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très bien. Je dirais que c'est une moto qui demande un tout petit peu plus d'engagement physique, bien évidemment, qu'une Hyper Sport 1000, parce que bah, elle pèse quand même son poids. Hein, 267 kg, ce n'est pas rien. Mais elle est à l'image de toutes ces machines sport GT depuis, on va dire, les années fin des années 90. Très impressionnante dans ses prestations dynamiques parce que ce sont toujours des machines qui sont, on va dire, étudiées avec grand soin. C'est pas des motos qui naissent d'un besoin rationnel et commercial. C'est souvent des motos qui sont issues de passionnés, de personnes qui veulent accoucher d'une machine un peu folle. Et on met souvent de très bonnes technologies et beaucoup de recherches dans ces motos-là. La Yabusa, c'était le cas. La ZZR, c'était le cas. La K1300S, peut-être dans une moindre mesure, mais parce qu'elle avait une vocation un peu plus sport GT Touring. Mais ça reste quand même très, très, très plaisant. Et on prend toujours énormément de plaisir à conduire ces motos d'une façon différente d'une Hyper Sport 1000. Hein, c'est un peu plus, voluptueux. Hein, on va pas aller clac, 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 casser les petites courbes de la même façon que des Hyper Sport plus légères. Mais par contre, il y a tout un plaisir à les conduire. Et puis, bah, des moteurs qui sont très remplis, donc qui donnent toujours cette force. Parce que malgré ce que j'ai dit dans la partie moteur, ça reste quand même plus péchu à bas régime qu'une Hyper Sport standard. Hein, ça, ne vous y trompez pas. Donc voilà, on a une partie cycle qui est quand même très très saine. On va attendre d'arriver sur les petits tournants là, histoire de voir un peu ce que ça donne, en espérant qu'il n'y ait personne devant nous. Cette fois-ci, les batteries de la GoPro ont survécu, alléluia. Je vous promets que normalement, les prochains essais devraient être un peu plus dynamiques, on va dire, parce que les températures devraient remonter. Là, je fais vraiment vraiment attention, hein. Cette moto, elle vaut quand même une fortune. Kawasaki France nous l'ont prêté gentiment, donc on va éviter de la foutre au tas. Toujours un plaisir de conduire des sports GT comme ça, moi j'adore. Hein. C'est vraiment une catégorie de moto que j'aime beaucoup. C'est ma catégorie préférée après les roadsters, après les gros roadsters. Ah non, c'est très sain, hein. C'est vraiment très très sain. Le comportement de la machine est exemplaire. Hein. En termes de précision, lecture de route, etc., c'est pas une pistarde. On le sent, elle n'a pas la fermeté, la rigidité d'une pistarde. Mais c'est excessivement sain. Là, franchement, j'incline pas non plus de fou, hein, mais je sens quand même que j'y mets un peu du mien. Et elle y va, elle a pas d'a priori avec ça. Hein. Elle est vraiment très très saine à ce niveau-là, cette moto. Donc très agréable, rien à dire. La partie cycle de cette H2 SXSE est très 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 bonne. Et bien voilà, elle délivre ce que j'attendais, c'est-à-dire une machine qui n'est définitivement pas une Hyper Sport 1000, mais qui a quand même une agilité plutôt bluffante pour son poids et son gabarit, et ça, ça fait vraiment plaisir, on retrouve ces sensations très généreuses qu'on a un petit peu sur la Yabusa en un poil moins sportif, mais on prend quand même bien 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 son pied. Et maintenant, on va évoquer la technologie, puisque cette bécane est aujourd'hui, je suis désolé, je sais, vous m'avez déjà entendu dire ça 4 fois d'affilée, la moto la plus technologique de chez Kawasaki. Mais attention, à chaque fois je dis c'est la plus technologique, mais de la marque
question. C'est la moto la plus techno de chez Kawasaki et vous allez le voir, il y a beaucoup beaucoup de trucs. L'ancienne version de la H2SX avait un écran à la fois LCD, à la fois TFT qui mélangeait un peu les deux, qui était sympa, mais voilà, ça cassait pas trois pattes un canard. Là par contre, on passe sur une énorme dalle TFT 6,5 pouces qui est incroyable. Elle est très très belle, très moderne, très futuriste, elle est très sympa à lire. Vraiment, je prends un pied de fou à l'utiliser, cet écran. Et on a eh bien toutes les informations qu'on peut souhaiter, hein. Tout est indiqué. On a aussi du démarrage sans clé, ça c'est très très bien. On a quatre modes de conduite, dont le dernier qui est paramétrable, hein, le user. Et puis ensuite, c'est un petit peu la fête eh bien, à toutes les assistances, puisqu'on a de la réponse moteur, ça c'est habituel, l'ABS, contrôle de traction, quick shifter up and down, tout ça c'est du très 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 connu. On va avoir un régulateur de vitesse adaptatif sur cette moto, donc ça y est, hein, ça commence aussi à bien se développer. C'est une technologie qui marche très très bien, avec un avertisseur de collision avant, hein, si jamais vous êtes trop proche, elle va se mettre à clignoter et vous dire attention, tu rentres droit dans une bagnole. Détecteur d'angle mort dans les rétroviseurs, ça c'est pareil, c'est super chouette, hein, ça fait partie des technos qui se mettent en place. On a un hill start control, donc l'assistance au démarrage en côte, ça c'est pareil, c'était présent sur la Yabusa et c'est super chouette. Et on a même un système qui vous active les feux de route en temps réel en fonction de si vous avez une voiture devant vous ou pas. Alors ça, je trouve ça génialissime, vous êtes de nuit sur une route peu éclairée, boum, vous passez en feu de route automatiquement, il y a une voiture qui arrive, ça se remet en feu de croisement. Je trouve ça vraiment super génial. Je pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit. C'est une moto qui est extrêmement bien dotée. En termes de technologie, elle fait vraiment partie du très très haut du panier. On va juste aller sur la route avec et voir si effectivement cette technologie est transparente, si elle se met bien en place, si c'est facile à utiliser, si je dois pas sortir eh bien une encyclopédie pour comprendre comment ça fonctionne. Bref, vous aurez compris, on y va. Allez, on va conclure eh bien, cet essai avec la partie technologie hein, finalement de cette H2SX SE 2024. Donc j'ai déjà parlé du quick shifter hein, rapidement, donc pas la peine de le réévoquer, hein, il est juste un petit peu ferme, surtout plus à la descente qu'à la montée. C'est rien d'insurmontable et pas au même niveau qu'une BMW par exemple, donc franchement là-dessus je vais pas aller beaucoup plus loin. Un truc que j'ai pas évoqué dans le statique, c'est le système MySpin que je n'ai pas du tout évoqué. Ah, je parlais de l'indicateur d'angle et en fait il est dessus. Je croyais qu'il n'y avait pas d'indicateur d'angle sur cette moto, mais si. Merci Kawa, merci, vous êtes adorable. Voyez, regardez, ça c'est le système eh bien, spin de Kawasaki, en fait, qui est le même que le MySpin de Suzuki, c'est-à-dire en fait une app que vous installez sur votre téléphone et qui vous permet d'avoir en fait eh bien, plein d'applications. Vous pouvez même en installer d'autres. Là vous voyez, j'ai contact, calendrier, désolé, hein, il y a le petit scotch. Vous avez aussi Fun, Cygic, Rideology, vous avez en fait plein d'applications que vous pouvez avoir et qui vous permettent de piloter eh bien, votre téléphone depuis votre moto, d'avoir accès à votre GPS, etc. Ça évite par exemple d'avoir un quad lock. C'est très pratique, c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun sur la plupart des motos qui sont dotées eh bien, d'écrans TFT de belles dimensions. Donc c'est une très bonne chose. Je fais juste demi-tour parce que j'ai tourné cette partie une première fois déjà et j'ai eu ma batterie de GoPro qui est partie en vrille car il fait 2 degrés. 4, ah 4, oh, bah, c'est bien 4. 4, 4 tu survis quoi. 4 tu survis. Ouais, il me dit là, le symbole de glace, c'est super génial. Donc on a également un régulateur de vitesse adaptatif sur cette moto, hein, donc comme on en a maintenant sur d'autres. Donc là vous voyez, regardez, je vais activer le paramètre, je vais le mettre ici, on va le monter un petit peu, on va le mettre à 85-90 km/h. Regardez, là je ne les atteins pas, pourquoi? Parce que la voiture devant moi, elle est trop proche. Dès qu'elle va s'éloigner un petit peu, la moto va commencer à accélérer pour pouvoir eh bien, justement aller se mettre à cette vitesse, mais toujours en respectant ce paramètre de distance. Petite déception que j'ai eue, c'est que je n'ai pas trouvé comment régler ce paramètre en roulant, le paramètre de la distance. Je ne l'ai trouvé que dans le tableau de bord, mais à l'arrêt. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous savez comment le régler. Moi, je n'ai pas trouvé, hein, c'est dommage. Vous avez également un avertisseur de collision sur cette moto. Je vais essayer de faire attention à ne pas me foutre au tas avec la voiture qui est devant, mais essayez de vous le montrer. J'arrive pas et j'ai pas envie de prendre de risque. Donc en gros, l'idée c'est que vous êtes, si vous êtes trop proche d'une voiture, et eh bien vous allez recevoir une alerte énorme avec un gros écran orange et plein de lumières qui clignotent pour vous dire attention cousin, t'es un petit peu proche de la voiture en face de toi. Si par contre le régulateur de vitesse est actif, la moto va freiner pour vous. Hein. Elle va directement freiner pour vous pour vous permettre justement de ne pas vous prendre un platane ou eh bien une personne roulant dans une automobile à 4 roues. Donc c'est plutôt une bonne chose, moi je trouve, d'avoir ce système-là. Nous avons également, puisque je l'ai mentionné, ça fait partie des petites choses un peu différentes, hein, tous les trucs un peu habituels, je ne vais pas forcément vous les dire, mais on a des alertes d'angle mort
sur les rétroviseurs. Vous voyez, c'est des petits triangles, donc je sais pas s'ils se voient très très bien. Je vais pas avoir forcément d'occasion de vous les montrer, mais ça se déclenche dès lors que vous avez quelqu'un qui est trop proche de vous et que vous ne voyez pas nécessairement. C'est très 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 pratique quand vous êtes sur une file du milieu et que vous voulez vous décaler et qu'il y a quelqu'un qui arrive vite. En règle générale, sur une H2SX, vous avez peu de gens qui sont aussi rapides que vous, mais ça peut se produire une fois de temps en temps si vous êtes en Allemagne. Donc c'est bon à savoir. Et finalement, eh bien, les modes de conduite, alors ça c'est toujours le truc extrêmement chiant chez Kawasaki, c'est que pour accéder au mode de conduite, il faut avoir Bac plus 39. Je sais même pas comment on fait sur cette moto. J'y arrive de façon assez au hasard, en règle générale. J'ai l'impression qu'il faut relâcher l'accélérateur et là on appuie pour passer. Voilà, en fait là c'est même pas comme la ZH2 où vous pouvez appuyer tout en accélérant et après vous relâchez pour que ça valide. Non, là il faut vraiment complètement relâcher l'accélérateur et à partir de ce moment là il prend en compte l'impulsion. C'est pas le système le plus pratique du monde, hein, je vais pas vous le cacher. On va voir ce mode pluie parce que ces derniers temps j'ai quand même eu des motos où les modes pluie étaient quand même, je trouve, un peu énervés. Et je trouve que c'est pas du tout l'objectif d'un mode pluie, hein. L'objectif d'un mode pluie c'est d'être doux pour ne pas vous faire peur quand vous roulez notamment avec une moto de 200 chevaux. Ah bah voilà, voyez là j'ai littéralement insulté la mère de la poignée d'accélérateur et il ne s'est rien passé. Ça c'est bien, bravo Kawasaki, vous savez faire des modes pluie. Parce que franchement, il devrait mieux s'inspirer. Là, en mode road, on sent tout de suite la réactivité, elle est là. Mais si je ne souhaite pas, dans des circonstances où je veux que ma moto ait toute la réactivité, quand même à ça que servent les modes de conduite, donc ça marche très très bien. Et puis écoutez, ma foi, je pourrais pas vous montrer le petit système de changement de feu automatique qui je trouve est super stylé, parce que de nuit, de toute façon, rouler à la GoPro, c'est quasi illisible, donc ça sert à rien. Je pense que c'est un bel ajout, hein. C'est quelque chose que j'ai découvert sur les voitures il y a 5-10 ans de ça, et maintenant on l'a aussi sur les motos, donc c'est plutôt une belle addition. Et voilà, je pense que ça conclut la partie technologie de cette machine, qui est, ma foi, assez sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. Et puis on va se retrouver maintenant pour le prix, la concurrence, tout ça. Définitivement le genre de moto que j'aime bien, ça, hein. C'est très très agréable, j'aime beaucoup cette petite H2SX. Bon, prix, on va parler du prix, ça fait mal, la H2SX SE est une moto qui vaut aux alentours de 29 000 euros, je sais que ça doit être 28 999, quelque chose comme ça, c'est excessivement cher. Oui, c'est vrai. C'est une moto qui vaut vraiment très très cher, surtout qu'elle est à 3000 euros de plus que la version standard pour les suspensions semi-actives et le freinage Stilema. Et surtout, eh bien, comment est-ce que ça se compare à la concurrence? Cette fois-ci, je vous ai pris deux motos actuelles et une d'occasion, parce qu'en même temps, la catégorie des sports GT, c'est particulier, hein, on va pas se le cacher. Et on va commencer avec ni plus ni moins que la rivale la plus directe, la Suzuki Hayabusa de 3ème génération, hein, celle que j'ai possédée, vous le savez, celle que je reposséderai très probablement un jour. En termes de caractéristiques, on est à peu près sur la même chose. Le poids est un tout petit peu plus léger, 264 kg, mais on a un petit peu moins de puissance, 190 chevaux. Par contre, au niveau de l'architecture moteur, bien que ce soit un 4 cylindres en ligne, là on est à 1340 cm3, donc on a 15 mètres kilos de couple et surtout atteint plus bas que cette machine-là. Donc au niveau accélération à bas régime, c'est quand même un peu plus énervé. Et la Hayabusa, c'est dans la filiation sport GT, c'est plus le côté sport que le côté GT. C'est-à-dire que là, on va avoir une position un poil plus radicale, une machine qui est faite pour aller engager un peu plus fort. C'est vraiment le pendant un peu sportif de la H2SX, même si celle-ci se débrouille très très bien. Technologie en pagaille, même si on n'est pas aussi poussé que cette moto-là. On a encore du démarrage à clé, on n'a pas de régulateur de vitesse adaptatif, etc., etc. C'est quand même une excellente proposition. C'est une machine qui vaut aussi 10 000 euros de moins que cette bécane. Donc, si vous n'avez pas le budget pour aller chercher une H2SX et que vous aimez bien les gros sports GT survitaminés, Hayabusa de 3ème génération, je ne peux que vous encourager. Ensuite, je vais prendre une moto qui n'a de GT que l'appellation, à mon sens, mais j'avais pas vraiment d'idée sur ce que je pouvais mettre dans cette catégorie. La KTM Super Duke 1290 GT. Alors oui, je le sais, c'est plus un roadster caréné, cette bécane, c'est ni plus ni moins qu'une Super Duke 1290 avec quelques éléments de carénage, hein. Il faut pas se tromper. Bon, on est sur le bicylindre LC8 qui délivre 175 chevaux et 140 Nm de couple, donc c'est quand même une machine à arracher les bras, hein, cette moto. «
avec beaucoup de technologie. Là, encore une fois, c'est pareil, hein, elle est très très bien dotée, un peu plus cher que la Hayabusa, on est dans les 23 400 €, je crois, et on a beaucoup beaucoup de trucs qui sont chouettes. Alors bien évidemment, ça va être un peu moins sport orienté que la H2SX, on est sur une position un peu plus droite, qui rappelle un petit peu plus celle d'une RS660 ou d'une moto un peu avec ce genre de guidon, de demi-guidon un peu, mais ça peut être extrêmement chouette, ça permet quand même de faire du voyage, hein. On est sur des selles qui sont un peu plus épaisses qu'une Super Duke standard, on est sur une bécane qui a une appétence un peu plus baroudeuse, mais pas autant que ce genre de machines qui sont vraiment des rouleuses autobanesques faites pour tracer des bornes à toute vitesse. Pourquoi pas? Après tout, je peux pas l'enlever, et de toute façon, c'est tellement difficile de trouver quelque chose à caser dans cette catégorie. Si vous avez une idée, dites-le-moi, hein. Qu'est-ce que vous auriez mis en face d'une H2SX en dehors d'une Hayabusa? Voilà. Et pour finir, on va faire une petite section occasion avec la grande sœur, Kawasaki ZZR 1400, hein, qui est ni plus ni moins qu'un des monstres du 21e siècle. Une machine absolument folle, avec un moteur de 1440 cm3 dans la toute dernière version, 200 chevaux, 210 avec l'air forcé, 16 mètres kilos de couple, ça arrache encore plus fort qu'une Hayabusa. Alors ça se trouve entre 8 000 à 12 000 € d'occasion sur le bon coin, il faut faire attention à certaines choses, notamment voir si le modèle est débridé officiellement ou pas, parce que si ça ne l'est pas, ça va vous coûter un rein. Si la machine a bien été entretenue, même si c'est des moteurs qui tiennent très bien dans le temps, et par contre attention, hein, c'est des motos qui sont bien moins technologiques que ce genre de bécane, hein. C'est vraiment contrôle de traction, ABS et basta, attention, hein, ça peut être très très chouette, et celle d'Antoine est incroyable, je la roule assez régulièrement pour le savoir. Si vous avez envie de vous faire kiffer avec l'un des derniers grands mastodonte de cette catégorie, allez-y, c'est extrêmement cool. Et ben voilà, le petit essai qui arrive à sa fin, c'est très chouette, une H2SX, j'ai pas que des qualités à lui donner, hein, pour le coup, je trouve que c'est un peu cher, 2-3 petits détails de finition avec l'échappement qui est comme ça devant, ça accélère quand même moins fort à bas régime qu'une ZZR 1400, c'est la conséquence directe d'avoir un moteur compressé, ça consomme un petit peu, ça reste quand même une expérience qui est extrêmement chouette et qui délivre encore à ce jour des sensations qui sont quasi à part dans le monde de la moto, hein, surtout dans le monde de la moto moderne, c'est-à-dire une machine avec des performances hallucinantes dans un positionnement qui est un peu sportif mais sans pour autant vous détruire le dos, les poignets comme ce serait le cas sur une hypersport standard. Bref, encore une fois une usine à rêve. Et je remercie vivement Kawasaki de nous l'avoir prêté. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. On est dans le dur de l'hiver et on s'accroche quand même, hein, voilà. A priori, c'est pas garanti, mais il se pourrait qu'il n'y ait pas de vidéo la semaine prochaine parce que je suis parti en vacances pendant 2-3 jours et que je vais peut-être pas avoir le temps de ressortir une vidéo et j'ai pas envie de courir pour vous faire un truc à tout prix. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Vidéo longue, je ferai quand même sans doute un live et probablement des petites news comme j'ai l'habitude de les faire maintenant, vous le savez. Mais on laissera peut-être passer un petit moment pour faire un essai la semaine d'après où là normalement je devrais vous apporter un truc très très chouette que j'attends depuis super longtemps sur la chaîne, moto extrêmement difficile à trouver, j'ai réussi à mettre la main sur l'une d'entre elles, normalement ça devrait le faire. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos bécanes, ciao.